Alors qu'une investigation était en cours, le public a finalement appris une nouvelle très importante. L'assassin de Samuel Paty a été retrouvé. Zoomez sur les images de ce dernier. Samuel Paty était un professeur qui a été attaqué dans le cadre de son travail. Alors que l'histoire de sa disparition continue d'attirer les foules, le monde a enfin une chance de mettre un visage sur le nom de son bourreau. Des nouvelles données disponibles. Samuel Paty était un professeur qui enseignait l'histoire et la géographie. Bien qu'il y montre une caricature du prophète Muhammad à ses élèves dans le cadre des un cours, la classe a été submergée par des menaces. Quelques jours plus tard, le 16 octobre 2020, Samuel Paty a été violemment assassiné près de son lieu de service. Les personnes indignées par cet acte se sont alors assemblées pour demander justice à la France. Une enquête a rapidement été lancée, et le public peut être heureux de voir que la police fait tout son possible pour punir les coupables. Mercredi 21 octobre 2020, France 2 révèle les premières images du visage d'Abdullah Kebouyozidovic, le touriste de 20 ans qui a assassiné l'enseignant Samuel Paty. Le procureur s'exprime enfin. Selon les informations de la police, Abdullah est un citoyen russe. En tant que réfugié, il est d'origine tchétchène. Il vit à Évreux, Eure, et a obtenu un permis de séjour le 4 mars 2020. Selon le parquet national antiterroriste, les services de renseignement n'en avaient pas connaissance. Du point de vue judiciaire, il n'a jamais été condamné alors qu'il était connu pour des cas de dommages à la propriété publique et de violence lors de réunions, alors qu'il était encore mineur. Selon l'histoire, certains des étudiants du professeur Samuel Paty en question ont donné des informations sur son apparence aux criminels, afin de recevoir une somme d'argent. Abdullah Kanzorov, son fight club et les membres de sa famille ont commandé sa radicalisation. Après la tragédie dans les rues de la ville des Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine, le bureau du procureur national antiterroriste a ouvert une enquête pour meurtre en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes. En attendant les résultats et dans le cadre de l'enquête, certains membres de la famille du jeune homme qui a tué Samuel Paty ont été placés en détention. Samuel Paty. Et avoir enseigne. Samuel Paty, liberté d'expression. Nous sommes tous profs. Une publication partagée par Laurent Mariotte le 21 août. 2020 à 9:12 pendant les détails de la tragédie de Voile. Selon les renseignements contenus dans les colonnes du Parisien, le drame a eu lieu l'après-midi du vendredi 16 octobre 2020, plus précisément vers 17h, près du collège du Bois des Aunes à Conflans-Sainte-Honorine. La victime est un professeur d'histoire et de géographie, Samuel Paty, âge de 40 ans et père de famille. Son corps sans vie, avec de multiples blessures et de capites, a été retrouvé sur la scène du crime, près de l'école, par la police qui est intervenue vers 17h11. Suspect était également présent, mais après quelques échanges de coups de feu, il est mort sur place. Vive la liberté d'expression, Samuel Paty, ne nous habituons pas. Une publication partagée par Laurent Mariotte le 18 août. 9:01 pendant, selon le procureur antiterroriste Jean-François Ricard, le samedi 17 octobre 2020, le jeune homme se trouvait devant l'école, où travaillait le professeur et avait interrogé des élèves à son sujet avant d'agir. Cette effroyable tragédie a choqué des milliers de personnes dans la ville. De nombreux résidents et parents des élèves de l'école N ont partagé leur inquiétude et leur crainte. En comme sequence, les parents, le frère et le grand-père du jeune homme ont été arrêtés. Père nom Brahim C. poste une vidéo révélant le nom du professeur Samuel Paty et le nom de l'école a également été arrêtée. Une minute de silence en hommage à Samuel Paty.
Plus des infos sur le lien dans ma bio. Volley volleyball volleyball for life news softoic France volley volleyball player volleyball games volley volleyball terme volleyball Europe Insta volley fibre volleyball 2020 volleyball team Samuel Paty hommage une publication par 2020 à 3 11 pendant sans parler des Abdelhakim Sefrioui avec qui il était venu au bureau du directeur pour dénoncer Samuel Paty. Commentaire sur sa radicalisation. Nazarov est né en Russie en 2002. Il a de 6 enfants et vit en France depuis l'âge de 6 ans. Famille, il vit dans l'immeuble Perzourde, dans le quartier de la Madeleine à Évreux. Certains de ses voisins en parlent de lui dans les colonnes du Parisien. L'une des entre elles a été surprise qu'il ait pu commettre une telle atrocité, car selon elle, le jeune homme était une personne calme et non un fauteur de troubles. Dès que le gars hiver mouronda beurait pu y défendre. Caricature en vent de profit Mohamed Ziantildon et en les envévrigés devant Meneng Suiting. Pati besprak meilij que matcha pelij que dilemma et smazij mir l'argent en vide la top et en respect valouij. Dati et en belong grige que matcha pelij que drag van het on derouij. Vrigé devant meneng suiting lié en groud gued en néant démocratie grondrek. En valoise bedel do em dat grondrek à honte testant. Ibijuit steak de plawar en scandoron ma en racking comme en meverchillant josic tspintant en le rend au vément sans rectant en démocratie. Il rend dat wish darinal vriged en mer respect vous renderont au vécu en adonquant en sprequant. Je suis prof Samuel Paty Liberté d'expression une publication partagée par Monsieur Ramcharan, Monsieur Ramcharan, le 22 août. 2020 à 3:02 pendant la femme lui a également confié qu'elle ne elle avait jamais entendu parler de religion. Même elle, oncle du meurtrier, a été surpris et n'a pas pu comprendre pourquoi il avait commis un tel acte. Je ne comprends pas, il a dû être piège sur Internet et tomber dans la religion, a-t-elle déclaré. Selon des sources du journal Le Parisien, Abdullah Kanzarov était membre du Toulouse Fighting Club, mais il y a été licencié entre 2018 et 2019. Samuel Paty, nous offrirons toutes les chances que la République doit à toute sa jeunesse sans discrimination aucune. Emmanuel Macron, Samuel Paty, Emmanuel Macron, Macron, hommage national Sorbonne, une publication partagée par Ensemble avec Emmanuel Macron, en marché avec Macron, le 22 août. 2022-26 pendant l'association sportive a été placée sous tutelle, et a été dans la ligne de mire de l'État, et des services de renseignement pour son communautarisme. Apparemment, le club de lutte a changé de nom. Cependant, un des membres du club avait déclaré que ceux qui étaient présents au club en 2016 et 2017 y sont toujours à ce jour. Mais si le jeune tueur a été envoyé, il ne sait pas pourquoi. A pas d'être assez diligent ou ponctuel, mais il est difficile de savoir pourquoi, a-t-il déclaré. Tout savoir sur Samuel Paty, cette affaire est suivie de près par de nombreuses personnes. Détails du tueur ont été révélés, renseignez-vous sur la personne que le jeune de 18 ans a décapité dans la rue. Elle enseignant et perdait un garçon de 5 ans, Samuel Paty. Deuil fait divers Samuel Paty, le visage du meurtrier revient.